Judo, début des saisons à l'entente urbaine de judo de Kinshasa-Ouest. Six clubs ont pris aux hostilités en rivalisant pour une première fois cette saison sur l'esplanade au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Le coup d'envoi de l'entente urbaine de Kinshasa-Ouest a été donné au stade des Martyrs de la Pentecôte. Six équipes ont été présentes. Espérance, Kinshasa, Saint-Joseph, Tokyo, V-Club, Happy. V-Club a battu Happy par 5-0. C'est une reprise, vous savez, au niveau de l'organisation, ça posait trop de problèmes. Hein. À ce moment ici, on serait déjà arrivé très loin. Comme je n'ai jamais cessé de le dire, il y a des choses qui se passent dans nos différentes fédérations, notamment dans les disciplines de combat. Il est important qu'on puisse régulariser surtout les problèmes de calendrier et de championnat. Bon, on a livré le premier combat, on l'a gagné par 5-0. Mais les enfants ne doivent pas s'enorgueillir. Il est important que d'autres qui ne sont pas encore venus rejoindre l'équipe, qui puissent le faire très rapidement, parce qu'on a encore un autre combat, le 5. Dans les moins de 66 kilos, Ekofo Kombe a eu raison de Lubamba. Je suis content parce que je fais une année sans monter sur le tatami. Il y a de cela 2 mois que j'ai repris les entraînements. Je me réjouis du fait que mon équipe a empoché un point. Les membres de l'entente ont également donné leur point de vue. Ici, nous sommes au championnat de l'attente urbaine des judo de Kinshasa-Ouest, on sait que les Jigino. Nous vivrons maintenant la première journée de notre championnat local. Bon, vous voyez vous-même la condition dont nous évoluons, on n'a pas de place, mais tout foncé de merde, de manière à ce que nous arrangeons à ce que les choses dont nous sommes habilités à faire, ça se passe dans de bonnes conditions. Dans l'autre affiche de cette première journée, Saint-Joseph a pris le dessus sur Tokyo, 5-0. Espérance a perdu devant Kinshasa 5-0 également.